Il s'agit d'un moment historique pour le groupe, pour Énergie. C'est vrai que lancer enfin notre chaîne de télévision et le faire à l'heure du numérique qui porte une image de grande qualité, un son Dolby Surround, son du home cinéma. C'est vrai que c'est un grand moment. Je rappelle qu'il y a 20 ans, Énergie avait participé à la création de TV6 aux côtés de Publicis et Gaumont, chaîne qu'on nous avait retirée au bout d'un an de façon tout à fait injuste. Et aujourd'hui, c'est une revanche sur le temps, donc c'est un retour. C'est retour vers le futur. Et je souhaite bonne chance à Énergie 12, à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé autour de Marc Palin pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Et en route pour de nouvelles aventures. C'est un moment historique, d'abord pour vous, les téléspectateurs. Grâce à la télévision numérique terrestre, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle chaîne nationale, gratuite, entièrement dédiée aux jeunes, auxquels ils participeront. Vous y retrouverez bien sûr au début dans nos programmes l'univers musical d'Énergie que vous connaissez, qui est fantastique, qui est familier, que vous connaissez depuis des années. Vous retrouverez bien sûr chaque soirée des séries, divertissements, actions. Et puis au fil du temps, nous allons développer les programmes de votre chaîne, des films, des talk shows, des magazines, des jeux, avec des nouvelles têtes, de nouveaux animateurs, de nouveaux talents. Vous y participerez aussi à cette chaîne, au départ avec des SMS, des MMS, mais aussi directement. On souhaite que vous soyez des téléspectateurs actifs. Énergie 12, elle sera aussi ce que vous-même vous en ferez. Alors maintenant, je crois que Jean-Paul, c'est le moment. À toi de jouer. Eh bien, allons-y. Énergie 12, c'est ça. Bonjour, c'est Mariah Carey. J'adore Energy 12.